Chers fidèles Sitrei Chaim, on est dans la paracha de Chaye Sara. C'est la semaine du décès de mon cher tzadik, Mori Chaim ben Yosef Chulan Zatzukal. Le jour du décès, c'est le jour que l'âme revient sur terre et on peut, avec l'aide de Dieu, passer nos prières à lui. Sara, en hébreu, si on rajoute au Reish un petit yud, on va recevoir Sadeh. Et dans les livres de Kabbalah, il est écrit qu'une femme s'appelle le Sadeh, le champ. Donc Sarah Imenu, elle a changé son nom, elle a séparé le yud, elle a donné le hey à Abraham, et elle a gardé un hey pour elle, et elle est restée Sarah. Mais en vrai, elle pouvait être Sadeh, elle pouvait être un champ. Ça, c'est le travail de vie d'un homme et d'une femme, ajouter dans notre nom toujours la lettre Yud, comme dit le Ari HaKadosh. Le démon, il s'appelle en hébreu Shed, et pour adoucir les forces négatives, il faut rajouter le Yud, et ça nous donne le mot Shaddai. Comme tout le monde sait, c'est le mot qu'il y a sur la Mezouza. Donc le Yud, qui est ce fameux Yud, c'est la sagesse Yud, Chochma, Kedouma. Je prie pour vous et je me rappelle de vous tous quand on fera les prières sur la tombe du tzaddik. Avec l'aide de Dieu, vous serez tous inclus dans nos prières et sa belle lumière qui descend et qu'on voit vraiment avec les appareils de photo, que cette lumière qui est le Yud règne sur nous tous et qu'on est capable d'adoucir notre vie et avoir une belle qualité. Shabbat Shalom.